Bonjour, bonsoir, salut YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, partie 2 sur Main Moil. Je ne pensais pas, mais le jeu est beaucoup trop bien en fait. Et du coup, il fallait que j'aille voir le vendeur, parce que, regardez Molti. Oh, il est trop mignon! Il est trop mignon! Oui, donc j'étais venu le voir parce que il pouvait me vendre des trucs contre des navets, mais il me dit pas pour combien. 84 navets. 84 navets. D'accord, mais tu te calmes, hein. Tu te calmes. Et ben, ok. Alors, on avait déverrouillé une nouvelle région. Par contre, juste avant, je veux aller terminer le premier chapitre. Parce qu'il y avait que 4 niveaux. On en a déjà fini 3. J'ai presque fait tous les navets, mais apparemment j'en ai loupé un. Donc j'ai le mort. Et en compagnie d'Abraham. Waouh, mais c'est vachement grand ici par contre. Mais c'est méga grand. Et en compagnie d'Abraham, du coup, il fallait poncer le jeu. Donc, alors, on a un peu expérimenté du coup dans la première partie. C'est vraiment sympa. Ça paraît simple sur certains aspects. Mais je rappelle encore une fois que c'est un jeu pensé aussi pour le speedrun. Dans le sens où, en fait, là on fait la partie simple du jeu. C'est-à-dire, on avance, on fait les niveaux. J'ai le hockey. Non, plus sérieusement, on récupère les carottes, et bref, tout se passe bien. Mais en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que on peut totalement runner, j'allais dire courir, mais runner dans les niveaux pour obtenir à la fin une médaille d'or au maximum, parce que t'as une bronze, une argent, une or, quoi, classique. Mais du coup, ça veut dire que t'as deux manières de faire les niveaux, et étant donné qu'il y a un marché qui est constitué de commerce de carottes, ce qui nous importe le plus au monde, on est bien entendu, hein, bien plus que la YouTube Money, la Kazma Money, bien sûr. Je préfère la collecte de carottes. Je suis désolé, mais moi et Abraham, on s'est concerté en off, là, pendant 3 secondes entre la coupure de la VOD 1 et 2. On est d'accord là-dessus. C'est une taupe, mais il aime les carottes. Voilà, c'est tout. Après tout, il irait pas en chercher. Et il aurait pas un sac avec des carottes! Alors, juste, j'ai un regret. C'est de ne pas pouvoir concrètement... Hop là! Hop là! De ne pas pouvoir sortir de son trou en dehors. En dehors de son mode de run de jeu, quoi. Parce que ça serait bien juste de pouvoir patouner, tu vois, de faire pong, pong, pong. De se balader avec son gros bedon. Ah merde! Non, j'ai déconnecté! La manette, c'est bon. Ok. Ouais, c'est ma faute, j'ai marché sur le fil. Mais en même temps, le fil, voilà, il fait 4 mètres! Donc à chaque fois, je marche dessus. Ah, puis il est pété surtout. Ce qui fait que ça déconnecte la manette tout le temps. Et... checkpoint. En vrai, les niveaux, par contre, tu les termines super vite, hein. On était parti pour une découverte. Et en fait, si le jeu me plaît assez longtemps... mercredi. Voilà. Parce que je veux pas faire le 100% et en même temps, là... vu comment c'est parti... Ah ! Il me manque une carotte ! Je me suis fait carotte ! Fais des blagues ici, hein. On est streamer, faut s'adapter. Oui. Ok. Mais c'est beaucoup trop rigolo. Oui. Non. Nique-toi. C'est bon. Tout va bien. Hop là. Ok. Faire gaffe au dash, hein, quand on plonge pour... Oula. Pour gagner l'océan. De terre. De terre molle. Pour mail molle. Tété. Mercredi. Je fais des blagues et du coup je fais de la merde. Ah! Je suis retombé tout en bas. Non. Ça commence à devenir complicado. Hop là. Hop là. Ok. Écoutez, tant que le jeu me plaît en tout cas, je pense qu'on est pas mal. Non, mais plus sérieusement, je pense pas... Voilà. Je pense pas faire un LP si jamais le jeu vous plaît en intégralité. YouTube en tout cas. Je pense qu'on fera le jeu en intégralité sur Twitch. Sur Twitch. Comme ça, ça fera un peu d'exclusivité et moi, ça m'évitera d'avoir 36 000 VOD. Hop là. Mais le jeu est vraiment sympa. Hop là. Hop là. Mbilia. Mbilia. En la pesanteur. Oh. Alors, il y a un bouton en bas. Étant donné que je vois une caisse qui se renfonce dans le mur... Tout porte à croire qu'il y a une secret. Mmh.
Alors c'est le moment où on t'explique que j'espère que t'as pas oublié que tu pouvais. Hop, attends. Voilà, que tu pouvais faire ça. Parfait, on a tous les navets. On a tous les navets, on est bien. Direction la fin du niveau. Bouya. Mais je serais quand même curieux de refaire le niveau 2, qui est pour l'instant le niveau que je vois le plus faire en médaille d'or. Juste pour voir ce que... Oh, fortune considérable, très bien. Juste pour voir, ouais, ce que ça fait d'avoir une médaille d'or, si ça obtient un truc, un navet spécial, ou juste une médaille. En vrai, le 100%, ça jouait dessus aussi. Hein. Bon bah c'est bon, hein, j'ai tous les navets, les carottes, je sais pas, vu que c'est pas indiqué, mais on est pas mal. Hein. Tic 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 tic. Putain, j'ai traversé tout ça. Ouais, méga vénère. Bonsoir. Et voilà, 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 voilà. Ah, on fait des chronos caca. Ah, j'ai une médaille de bronze. Qui apparemment n'apporte rien. Y a pas de visuel, y a pas de... Pas de drapeau doré, pas de... Après, c'est pas une médaille d'or, en fait. Donc forcément, je peux pas comparer. Je peux pas comparado. Yes! The world is coming. Alors, approbation des agriculteurs. Très bien, on va aller voir le chapitre 2. Vous avez déroulé une nouvelle course. Ah ouais? Il y a des... Ah, c'est ça que je voyais! Psst, hey, toi, viens ici! Mais non, mais attends. Des courses contre d'autres mois? Trop bien. En local, en multi? Ah oui, oui, la deuxième éoline. Alors, c'est toi le célèbre multi, hein? J'ai beaucoup entendu parler de toi, tu sais. Moi, je suis Scarlett et je porte trop de maquillage, beaucoup trop beau. Elle a des crocs. On en parle ou pas? Elle a des putains de crocs. Si vous regardez cette VOD sur une télé, regardez bien, elle a des crocs. Tout le monde dit que tu es le top facteur le plus rapide de Carrotland. Si c'est le cas, j'ai une petite proposition à te faire. J'ai créé le système de livraison le plus rapide de Carrotland, les Mécatop. Si tu es plus rapide que ma meilleure création, je te donnerai une cellule d'alimentation. Mais avant, tu dois compléter une région en activant les 4 centrales. Il faut que tu me montres que tu es... D'accord, donc en gros, si je valide tout un chapitre, donc 4 niveaux, j'obtiens le droit de faire la course. Stylé. Ah, mais c'est un niveau que j'ai déjà accompli. D'accord, je pensais que c'était un cinquième niveau un peu spécial. Oh là, oh là, ok. Alors déjà, je me suis reconcentré, parce que pendant 2 secondes... Putain, je me rappelle plus de la course. Si, c'est bon. Je me suis reconcentré parce que pendant 2 secondes, je voulais run avec RT. Hop! Wouah! Alors, n'oublions pas qu'on sait qu'il y a un raccourci déjà quelque part. Hop! On passe par en bas. Hop! Voilà. Tac, 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 tac. Attention. Yeah! C'est bon. Et heureusement que j'ai vu ça tout à l'heure. Bon, en vrai, j'étais déjà en avance. Oh, ce missile. Champion des mécas. Bah, bah, bah. Mais quelle bombe. Mais quelle... Faut m'appeler Askune Missile, en fait. Première place, ça alors. Enfin, je veux dire, il faut que j'améliore mes inventions. Tiens, voici la cellule d'alimentation que je t'avais promis. Merci. Hop là. Ok, 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 ok. Je suis Abraham Van Kasma. Allons tester du coup le chapitre 2. Voir un petit peu un nouveau biome. J'aime beaucoup, c'est très très sympa, c'est mignon, ça se prend pas la tête, c'est pas compliqué. C'est ça surtout qui fait du bien, c'est un jeu de plateforme qui est pas compliqué en fait. Et des fois aussi c'est bête mais ça suffit. Hein. Oh, oh j'aime beaucoup. Le coup des rouleaux là. Ah ça va faire des bêtises hein, mais j'aime beaucoup. Alors, on va pas trop s'intéresser aux carottes dans ce niveau, dit-il en récupérant toutes les carottes. Non mais là elles sont données. Là elles sont données, à partir du moment où elles le seront plus, je m'y intéresse plus. Mais j'y peux rien, ça m'attire, c'est une drogue. Non je veux dire on... Ça cache un navet ça non? Oh les salauds, bien joué. Ouais, on s'intéresse plus trop aux carottes parce que j'en ai beaucoup déjà et parce que je veux voir un peu au maximum ce que ça peut valoir. Oui!
C'est méga stylé. À moi. Je peux aller dans l'eau là? Ça fait quoi? Ah, mauvais bail. D'accord, ça compte. Non mais il faut essayer pour savoir. Ok, donc du coup quand tu meurs c'est moins 5 carottes et toutes les carottes que tu as déjà prises, bah c'est bon. Ouais, c'est juste des pièces en fait les carottes. Yop là, raté. Donc par là on avait checké, on est d'accord. On est d'accord. Hop. 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 Ok. Alors en vrai c'est le tout premier niveau du chapitre 2, donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est donné. Je vois le troisième. Navet. Tiens, tiens. Hop. Ok, alors question, à quoi servent les clés? Parce que je pense que c'est aussi une bonne question ça. En vrai ça se manie pas mal. On commence à s'y faire. Oula. Yep. Yep. T'es sur la cascade. Ok, alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'était obligatoire. Ok, bien wesh. Bien wesh, bien wesh. Sympa, des petites features simples mais qui fonctionnent encore une fois. Yop. 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 Et voilà. Ma caisse est finie. Et je pense que c'est la médaille d'argent. Mais qu'il est beau. Mais qu'il est beau. 74, 3 navets, bababa, médaille d'argent, la qualité encore et toujours. En vrai, par contre, les 55 secondes dans ce niveau-là, sur le coup des clés, ouais, 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 ouais. Par contre, je remarque, autant la médaille d'argent, du coup, tu peux aller la chercher, voilà, sans trop de difficultés. Par contre, la médaille d'or, faut vraiment la vouloir, en fait. Ouais, plus que dans certains jeux. Oh, oh. Oh mais je veux. Oh je veux. Y'a du nouveau magasin. Oh oui. Oh oui. Oh je ne pensais pas. Oh je ne pensais pas. Ce sera la dernière VOD découverte. Donc attendez, je veux un maximum faire des choses. Après on continuera le jeu nous, mais pour nous. Salut Molchi, j'ai de bonnes nouvelles. Avec les cellules d'alimentation que tu m'as apportées, j'ai pu restaurer le télécanon qui permet d'atteindre l'île Cocotier. Continue comme ça et on pourra rétablir tous les télécanons avant que tu ne le saches. L'île Cocotier, donc troisième chapitre. Ah, j'y étais. Ça ressemble à quoi? Ah, d'accord. Sympa. Alors, il y a de la nouveauté. Tu vois? Bienvenue. Alors, toujours que deux trucs en avait. Oh. Les lunettes d'aviateur. J'adore. Et le chapeau. Bah. Oh, attends. Je veux m'admirer. Regardez-moi aussi. Oh, le beau gosse. Je ne suis plus Abraham. Je suis Johnson. Johnson Kazma. Et donc Johnson Van Kazma, parce qu'il a deux origines, s'en va vers le chapitre 3 pour découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux paysages. Parce qu'il aime la mer. Parce qu'après tout, il était en vacances. On l'a interrompu pendant ses vacances. Et là, il a envie d'y retourner. Oh. C'est très très mignon. C'est très 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 mignon. J'aime beaucoup. Allons-y. Ce jeu a un petit truc quand même, hein. Oui. Je pense qu'il aurait du mal à avoir sa propre identité. Parce qu'il emprunte trop de choses à gauche et à droite. Mais c'est pas pour autant que ça en fait un mauvais jeu, juste... on sent en fait que c'est un projet basé sur plein de choses et que ça ira pas plus loin. Oui. Boing. Oui. 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 Parle pas de vacances, ça sent encore trop loin. Comme tu dis. Et dire que moi mes vacances ça devait être en avril. Oui. Oui. On peut jouer club. Oh. Trop bien. Bon, trop bien. Comme d'hab, hein, quand t'as de la physique avec une balle, tu t'amuses 3 secondes et en vrai tu passes, mais. Stylé. J'ai toujours pas récupéré de navet. Attends une minute. Attends une minute! Je ne pensais pas que je ne pourrais pas toucher le bateau. Il n'y a pas de... Ça me perturbe. Il n'y a pas de navet. Il n'y a pas de navet. Oh, bah, bizarre quand même.
Après, en vrai, on s'en moque parce que les navets, de toute façon, je repasserai, mais. Paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. J'en vois même pas un seul. Ok. El famoso plateforme camembert. Ok. J'avais dit, hein, les carottes, c'est plus notre objectif. Je vais voir un max de choses. Putain, mais ils sont où les navets? Et wesh. Alors là, déjà, il y a un navet. Je te calme. Voilà. Donc, c'est le numéro 2. Donc, j'ai bien loupé le 1 quelque part. Étrange. Bon, on va pas faire demi-tour parce que c'est trop chiant. Et trop compliqué. Oui. Oui. Ah. Faut mettre dans les trous. Non. Non. Oui. C'est validé. Allez, ça s'imbrique, c'est bien. Ça bouge plus. Non. Reviens. Quoi? Mais. Voilà. Fais ta life. Et toi? Mais. C'est bon. Spouink. Ça fait quoi? Un pont. Une plateforme camembert. C'est même du comté à ce niveau. Tellement les balèzes. Ok. Ok. Boing. J'aime beaucoup ce chapitre par contre. Je l'ai pas dit mais c'est vrai. C'est un chapitre qui me parle pas mal. Le premier était très bien. Mais on en a vite fait le tour en termes de variation. Le deuxième était vraiment sympa avec le coup des rouleaux. Et là, c'est clairement un niveau bah, pour la plage, la mer et les camemberts. Mais c'est sympa. D'ailleurs, je ne vois pas le lien entre la plage et les camemberts. Mais bon, ça c'est moi. C'est peut-être dans la première bouée qui était le navet. La première bouée? Peut-être. Je n'ai pas fait gaffe. Mais sur le premier îlot, pour moi, il était là. Parce que là, il y avait globalement un navet Paris. Attends, mais j'ai récupéré qu'un seul navet. J'ai pas fait le tour du château de camembert. Ah, je suis sûr, il était là. Dans les châteaux des camemberts. C'est obligé. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé, j'adore. J'adore. Vas-y, un autre. Ah ouais, on a été mauvais pour celui-là. Salut, Side. Et bonjour, bonsoir, Kazma qui nous rejoint. Welcome back. Dernier niveau, je pense, pour cette VOD, les Kazma. Donc, il faut finir en beauté. Waouh. Centrale Sud. Donc là... Là, on veut au moins deux... Ouais, on veut au moins deux navets. Et j'allais dire, du coup, que les navets... Je peux péter le château top. Mais oui. Les navets, ça commence à devenir compliqué, là. Ok. Ça, c'est rien de tel pour te bouffer du temps. Mais en même temps, il y a des trucs qui ont montré que il y a des endroits où... Où il y a comme des petits easter eggs. Enfin, pas des easter eggs, mais n'importe quoi. Ah, j'avais pas pensé. Des endroits où il faudrait... Voilà. Faire des petites actions particulières pour trouver des trucs cachés. Ok. Oui. Oh non, 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 je sens qu'il va servir. Ah, merde. Tant pis. Ah, c'était là. Ah, j'ai le mort. Ah, j'ai le mort. Ah, j'ai... ah, il revient! Gentil ballon. Gentil ballon! Non, reviens. Reviens. Oui, ça fait quoi? Ça fait tourner la plateforme à carottes. Nam 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 nam. Très bien. Oups. J'y ai cru. Après, Mario Chat! C'est Mario Top! Bien sûr. Là, on incarne... Mais il y a un personnage, en plus, dans Mario Party, qui est une taupe. Je sais plus son nom. Parce que moi, je l'appelais Boudinet, mais je sais pas son vrai nom. Oui. Boing. Kboing. 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 On avait deux. Eh ben, dis donc. Allez, on fait ça bien. Là, pour celui-là, on récupère tout. Donc là, j'avais une balle qui m'apporte rien. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, hop. Eh bah, oups. Eh bah, tant pis.
Eh ben je me suis noyé. J'ai bu la tasse, comme dirait l'autre. De l'eau douce. Ok. Bien sympa ces petits niveaux à la mer là. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, elle navait! Aïe aïe aïe! Maquet, je suis content! Maquet, je suis content! Maquet! Non! C'est dur à accomplir un bon saut quand même. Hein. Là, là, on est sur de la plateforme sur une caméra en plus qui t'aide pas beaucoup. Boing. Ok. Ok. J'ai joué gros. Non! J'y étais! Ah, j'ai fait le mec! Ah, tant pis! C'est chiant. Mais, dis donc. Alors par contre, je reviens quand même sur un point, mais on a 3 points de vie, mais ces 3 points de vie, enfin je veux dire pour le moment, à part l'eau, j'ai pas croisé de véritables ennemis, donc est-ce que ça arrive? Parce que ça se trouve, le jeu pique plus d'idées à Mario 3D World que ce qu'on pense, c'est-à-dire que si ça se trouve, quand t'as fini le jeu une première fois, tu apprends qu'il y avait genre 3 navets extra cachés quelque part, et qu'il faut que tu refasses tous les niveaux, et maintenant il y a des méchants qui sont apparus. On y va tranquille. Voilà. Eh ben, dis que donc. Wouh! Complicado! Complicado, mais c'est une victoire. Eh ben, quel jeu. Quel jeu incroyable. On se ferait happer, hein. Honnêtement, c'était très très bien. J'attends quand même de retourner au home, parce que on sait jamais. On peut déverrouiller quelque chose au dernier moment, sans le voir venir. Après, en vérité, pardon, j'allais dire, la VOD, elle est très courte. Donc, attendez. Ah non, on en est qu'à 2 anneaux. Non. J'allais dire, s'il nous restait genre un anneau à faire, je l'aurais bien fait. Pour déverrouiller éventuellement un truc bonus, mais après, ça va être long. Non, bah écoutez, la suite, YouTube, ce sera soit à découvrir avec nous sur Twitch, soit à découvrir de votre côté en achetant le jeu, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des poutous partout et on se dit eh bien à très vite pour du nouveau contenu. Ciao ciao. C'est la tout prolo d'Animal Crossing, c'est ça hein.